والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رسول الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et c'est bien une session concernant le relou fiddin, l'extrémisme dans le din. Je te pose concernant la première session, je te définir, essayer de définir le relou. Je t'explique concernant l'émergence du Ben Khawarij, premier secte qui est considéré comme extrémiste dans l'islam, très tôt dans l'histoire de l'islam, nous finissons apparaître. Après, nous finissons une pause concernant l'extrémisme contemporain, peut-être dans l'époque qui nous peut vivre, dans surtout. Dans le 19e-20e siècle, on a fait une réelle émergence de l'extrémisme. Et dans les sessions, nous avons essayé d'analyser les différentes caractéristiques, différentes façons que l'extrémisme religieux est manifesté. Et surtout, une petite cause concernant raison. Raison qui pousse du monde vers l'extrémisme. Et nous avons dit qu'un premier, c'était la persécution. Une des bonnes causes qui fait, surtout dans le 20e siècle, qui fait une réelle renaissance de sa. Tendance extrêmement à la cause persécution. Et nous disons aussi, deuxième raison qui peut être plus importante, c'est la cause de l'ignorance. L'ignorance, c'est le stand banjimun, comme a le prophète. Et ça, il déduit depuis dans le hadith directement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut décrire ben khawarij, il peut dire yatraoun al-Qur'an, la yujawizu taraqihim. Ça va dire que le Coran ne dit pas travers la cause. Donc, c'est l'ignorance, jahl, du phénomène qui amène vers sa réaction extrême-là. Aussi, là, quand je fais cause de l'ignorance, je vais un petit peu plus en détail. Ignorant concernant quoi? Qui ça fait un démon ignorant? Là, ça pousse l'idée de l'attitude d'extrémisme. Je fais cause concernant le mot sharira. Hein, je peux dire qu'il y a un démon, je veux dire, nous faisons un démon de sharira. On essaie de définir c'est quoi sharira. Et nous disons aussi la dernière fois concernant At-Tadarruj, concernant veut dire implémentation graduelle de la loi. Je finis, je fais référence avec la révélation, basant le hadith de Aisha radiallahu anha, comment Allah ta'ala fait révéler la loi graduellement. Nous prenons l'exemple de Omar ibn Abdul Aziz, comment ce garçon, tu peux dire au papa, implémente toute la loi pour ma bisin, et tu peux dire ce garçon, prends patience. Une petite cause concernant aussi, dans Dine, il y a un principe, si nous ne sommes pas capables d'enlever le mal complètement, alors à plus, si nous sommes capables de diminuer ça, le mal-là, une petite cause concernant ça. Une petite cause concernant l'autre notion qui m'a dit que je suis ignorant de ça qui se passe, ça amène tout vers l'extrémisme, c'est qui choukoum, un djimoun n'est pas juge d'après la loi Allah. Une petite cause là, ce qui automatiquement n'est pas une kafir, un djimoun qui. Un chef, un ruler. Je t'explique, Imam al-Tahawi, sur parole, trois différentes situations concernant un djimoun qui pas roule, pas gouverne par la loi Allah. Nous disons concernant un takfir, sa notion du takfir, quand il y a un roi fait takfir, qui c'est là qui fait takfir, qui veut dire takfir. Nous prenons l'exemple, je rappelle toujours, il est bon, important. Nous disons qu'un djimoun n'y a pas l'akhida, il n'y a pas l'inquiétude. Un des malheureux qui annule l'islam de la personne, c'est l'aide d'un mouchrik contre un musulman. Un djimoun qui l'aide d'un mouchrik contre un musulman. Quand on parle d'Akhida, ça l'est considéré parmi les malheureux qui annule la personne dans la paix de l'islam. Mais là, nous donnons un exemple d'un sahabi qui envoie une lettre pour info à un djimoun de Makkah, qui le prophète devine attaque Makkah. Sa action de ce port, il paraît comment dire un traite, il fait traite, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fini considéré comme un kafir. Nous avons fait ça la dernière fois et nous avons arrêté là pour nous les temps de traverser. Il y a un petit point en cours pour nous terminer avec ça, Ishula, avec dire concernant qui m'a dit chose qu'un djimoun ignorant concernant ça, ça pousse lui vers l'attitude d'extrémisme. Donc ça, nous traitons ça, nous prenons à peu près 4 points pour aujourd'hui, nous ça, Ishula. Après, nous disons. Pour aujourd'hui, nous pouvons essayer pas poser beaucoup parce qu'il utilisait sa session là. Nous pouvons essayer de répondre à une question. Mais là, nous ne pouvons pas le faire. Aujourd'hui, nous avons une question. Nous étudions la première, deuxième session après une question. Nous ne pouvons pas préparer, nous ne pouvons pas faire dans le lien. Si nous connaissons, nous pouvons répondre. Si nous ne connaissons pas, alors nous disons, Inch'Allah, nous ne pouvons pas répondre. Nous ne pouvons pas avoir une réponse. Mais sinon, pas seulement question, nous ne pouvons pas le faire. Il y a une chose à apporter pour se dire. Mal commun qui bénéficie nous, Inch'Allah, ça aussi pour gagner l'occasion. Il y soit mal madame aussi, j'espérais que vous êtes mal madame si elle a gagné l'occasion pour chiner avec le micro là-bas, ou bien par papier, va faire un ordre. Alors, pour aujourd'hui, comment nous finissons, nous continuons avec ça, échoue. Qui m'a dit quelque chose qu'un djimoun ignorant concernant ça,
ça pousse lui vers l'attitude extrémiste. Nous trouvons aujourd'hui sa notion de djihad. Notion de djihad, et par exemple, hier nous trouvons un attentat dans la France. Ndjibun nous prend. C'est pas comment nous dire. Nous avons une situation bien difficile. Est-ce qu'il vrai même musulman qui nous fait ça? Mais nous dire, nous achetons qui c'est musulman. Nous basons nos médias, ça qui nous médias peut dire, nous achetons qui c'est musulman qui nous fait ça. Et puis il y a plusieurs incidents comme ça. Peut-être un petit monde qui prend physique. Moi, j'ai tout récemment au bout de la France, on parle d'un stade, grand physique, pour moi, c'est pour balle au dimon, mais bon, je ne sais pas quoi. Nous dire, nous achetons. Moi, je veux dire, médias qui affirment, nous ne connaissons pas. Mais nous dire, c'est musulman qui nous fait ça. Est-ce que c'est ça, djihad? Alors, djihad, c'est un topic dans lui-même. Et quand il trouve qu'on a pris le djihad, il est dans un dernier chapitre ou bien un dernier chapitre dans le fait. Mais il y a des gens qui apprennent bien. Il y a plusieurs chapitres, tahara, salat, zakat, concernant la transaction, bail, mariage, l'héritage. Là, en dernier, il y a l'autre chapitre qui appelle djihad. C'est pas quelque chose qui, je veux dire, n'importe qui dit qu'il n'y a pas de cause concernant le djihad. Surtout, c'est quelque chose qui touche l'intérêt de la communauté. Djihad, c'est un issue qui met en jeu la communauté. Nous avons une parole de Ban Savant concernant le djihad, un de Ban Savant, Imam Ibn Qudama. Un de Ban Savant, il dit comme ça, Amrul djihad, maoukoulun ilal imam wa jtihadihi. Ça issue qu'appelle djihad là, ça lui réservé pour le imam, le calife, le chef. Un pays, un chef, un imam, un calife. Un amir, un calife, un imam, c'est lui ce décision, ça, djihad ou déclare djihad. Et c'est lui qui décide pour déclarer djihad, alors là, naturellement, sous l'autorité, je disais obéir. Mais ce qui est intéressant là-dedans, il dit Amrul djihad, maoukoulun il est imam. Djihad, ça, c'est entre les mains de sa imam. Là. Nous ne pouvons pas faire un escalon, je dis comme ça, nous douterons. La Maurice là, après nous allons faire le djihad, nous faire assassiner tel, ça c'est pas djihad ça. Djihad pas fait comme ça. Djihad il y a souvent de choses, souvent de conditions. Il y a un imam, il y a un djimoun qui a la connaissance de dîme, lui, et surtout pas la connaissance de dîme, lui, il sait être amir pour lui déclarer djihad. C'est une autre chose qui est importante concernant djihad. Un de ban savant, Al-Khatib Bashir Bini, lui dit comme ça. وجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد. L'idée du djihad, c'est l'obligation, c'est pas finalement imposé comme l'objectif dans lui-même. C'est un moyen pour atteindre un objectif. L'idée comme ça, djihad, c'est l'objectif, c'est quoi? C'est amener l'islam vers Bandimoun pour que Bandimoun gagne la guidance. وأما قتل الكفار فليس بمقصود. Djihad, cela est dangereux, c'est pas pour tuer kafir. L'objectif de djihad, ce n'est pas tout ce qu'il y a à faire, ce n'est pas l'objectif. Ben Sahaba, quand je peux faire djihad, par exemple, quand le prophète il décale, il fait wafat, et là, Abu Bakr radiallahu anhu commence à envoyer l'armée vers la Syrie, vers l'Irak, pour amener l'islam dans sa pays. Tu as les rois, ben Moloch, tu peux demander la Syrie, tu as ben Romain, tu peux contrôler la Syrie. Après, le musulman là-bas, pour inviter sa main romaine vers l'islam. Et l'idée, sa main peuple, c'est sa main impérialiste. Donc, l'objectif, ce n'est pas un tuer un kafir, c'est amener l'islam vers eux. Et il dit comme ça, qu'est-ce que ça va là dire? Lau amkana al-hidaya bi iqamati dalil bi ghayri jihad kana awla min al-jihad. S'il est possible pour amener une preuve vers Bandjimoun, une preuve de la vérité de l'islam sans faire jihad, alors ça, il est une priorité. S'il est possible, amène la guidance, preuve de la véracité de l'islam, sans faire djihad, ça c'est une priorité. Veut dire djihad, c'est donc un nécessaire qui fait djihad. Si ben, je suis même libre, je suis capable d'inviter du monde vers l'islam, amène preuve devant eux, sans qu'il y ait la guerre. Paye pour la guerre. Djihad c'est un wasila, c'est un moyen pour atteindre un objectif. Et non pas c'est un objectif dans les mêmes. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre dans le monde qui est bien ouvert. Nous sommes capables de faire dawa en général, nous sommes capables de faire dawa dans différents pays, nous sommes capables de propager le message de l'islam dans différentes façons, avec différents moyens. C'est ça l'objectif derrière djihad. Vous voyez, qatlul kuffar laysa bi maqsoud. Tui kafir, ça c'est pas l'objectif dans lui-même ça. Donc, ben Sahaba, quand je n'allais, je n'allais invite Saban
muçulman, un peuple là, vers l'islam. Donc je vais dire, accepter l'islam, donc je vais donner trois options. Accepter l'islam, ou bien vivre sous l'autorité. Pays d'Isia, vivre sous l'autorité, ou bien troisième, pour l'ajouter la guerre. Si on n'est pas d'accord avec ça, des options là, et là nous la guerre. C'est ça, djihad, dernière option. Donc, ce qui nous peut trouver, c'est que djihad n'est pas l'objectif. Dans les mêmes deuxièmes, ce n'est pas n'importe qui qui déclare djihad. Ce n'est pas n'importe qui déclare djihad. Donc, il ne fallait pas qu'il nous prenne ça pour une petite chose qui m'a dit djihad, djihad, une petite chose qui est facile. Deuxième petite chose, soit y attaché, une définition qui est attachée avec djihad, avec tous les autres concepts ensemble. Et le principe dans Sharia, c'est ma'alat al-af'al. Veut dire que nous prenons une décision, nous faisons des so répercussions, nous faisons so des outcomes, ce so end result, pour pas nous dire. Et c'est un principe de sous le fait ben savant qui fait ijtihad, je considération sa pitcheuse. Avant je décrète une pitcheuse, halal ou bien haram, je décrète un outcome de sa pitcheuse. Nous prenons un exemple qui est Ibn al-Qayyim, qui mentionné dans ce livre Alam al-Muwaqqi'in. Il dit comme ça qu'une fois, chez l'islam, il dit Ibn al-Qayyim, ce professeur, c'est Ibn al-Taymiyyah, grand savant. Il dit une fois, Ibn al-Taymiyyah, avec ce bon compagnon, je ne peux pas se coûter ban tata. Ban tata, tu rentres dans le monde musulman, tu fais beaucoup de massacres à l'époque-là, sur le début de la Mongolie. Alors, qu'il arrive Ibn al-Taymiyyah, et ce bon compagnon, je ne peux pas se coûter ban tata et je ne peux boire la boisson. Et ce ban tata là, à un moment, je suis programmé de musulman, mais je suis encore djahil. Les temps, je peux boire, un de bons élèves de Ibn al-Taymiyyah, qui allait pour dire à ce soldat tata là, arrête de boire, haram, ça l'aide, fait haram. L'élève Ibn al-Taymiyyah vient dire non, laisse boire. Allah, il fait la boisson haram parce que la boisson, l'intoxication, les détours d'un djibou depuis le rappel d'Allah depuis cela. Mais ça va là, quand je peux boire, ça va là pour empêcher tout le djibou. Empêcher, vieux de bonne madame, empêcher, prendre du bien ban djibou. Quelle vision, façon de voir les choses de Taymiyya. Il dit, l'objectif avec Allah, il prescrit, il fait la boisson, il haram. C'est à cause de la boisson intoxicante qu'on empêche nous, Mazin Allah, empêche nous faire cela, fait nous perdre nous l'esprit, fait nous faire ban péché. Quand on a sa ban tata là, je, si je peux boire là, ça les meilleurs pour je dis ça. Parce que fait, je ne peux pas boire, je suis pour tout le monde, je suis pour aucun, je suis pour vieux ban madame, je suis pour emprisonner du monde, donc les je bois. Veux dire, il y a un outcome. La cause, ça c'est un principe. Nous là par exemple, ban savant, par exemple, par exemple, il m'a nous souli se donner. Je dis, disons, un djimoun, il va un raisin. Raisin, nous gagnons pas plantes raisin, nous gagnons pas manger raisin, nous gagnons pas van raisin. Halal. Mais, si un djimoun qui a acheté raisin, il peut pas faire l'alcool avec ça. Il peut faire la boisson intoxicante avec ça. Dans ce moment-là, nous pouvons dire, ça l'avantage est halal. C'est un petit chose qui nous dit halal, la boisson alcoolique, plutôt van raisin est halal. Mais si un djimoun devine acheter raisin et nous connaît, il peut faire l'alcool avec ça, c'est un lavant qui nous dit halal, nous décrit haram parce que ça qui te chose termine vers une petite chose qui est haram. Un autre exemple, qui nous prend l'exemple un petit peu plus concret. Nous disons par exemple, Pakistan, il produit des hommes. Alhamdulillah, pays musulman produit des hommes. Les vingt hommes avec l'Algérie, le Maroc, le pays du Maghreb. Alhamdulillah, pays en fait aussi. Moment qu'il a guerre levée entre l'Algérie et le Maroc, parce qu'il y a déjà un même problème de frontière entre eux, la guerre déclarée entre ça là. Je vous dis, haram pour Pakistan continue à faire avec sa même pays là. Parce qu'il s'assemble là pour servir entre les musulmans même. Donc, ça s'appelle ma'alat al-af'al. Veut dire, nous guettons, alors quand nous avons une autre façon qui m'en savons, on appelle ça, c'est cette de zararia. Blocking of means. Veut dire, un moyen qui est halal dans lui-même, décrète-le comme haram parce qu'il est. Décrète comme haram parce que sa petite chose qui nous peut dire halal là, les gamins veulent une petite chose qui est haram. Donc, ce principe là veut dire un djibon quand il prend une décision, il va faire une petite chose pour l'islam, il faisait qu'un qu'il vient. Qui répète les gens pour nous prendre l'exemple. Nous, toujours, nous mettons une point d'interrogation lorsque ça dans les médias. C'est moi là, c'est ce qu'on sait quand vous nous avez causé, vous êtes capable de dire une idée. Nous disons qu'il est vrai, ça qui veut dire l'information vraie. Tu te trouves dans Mali, tu es dans un groupe musulman, bien dans Somalie, bien Mali. Quand Somalie, j'ai dit Mali, un Shabab, un jeune musulman,
je dis décrète l'état islamique. Je décrète l'état islamique. Finalement, je suis dans Mali, plutôt dans ce Mali, je suis allé au Mali, je suis allé. Dans 2-3 mois, Français, ils rentraient, ils disaient bon, ils finissent exterminés. L'intention, bon, implémente la loi Allah, je n'ai pas la force avec eux, un gain paysan, et nous pays, peut bien être l'autre. Alors, prends pouvoir, renverse le gouvernement qui participe juste d'après la loi Allah. Soit disant pour implémenter Sharia, finalement, qui n'arrivait, ça, il donnait une excuse à les Français pour mettre des pieds dans Mali. Et je me disais, bon, ben, ça finit en l'air, ça, parce qu'il se fait proclamer, je comme, au contraire, ça finit en l'air, beaucoup de tôt. Donc, c'est ça, toujours, quand nous veut dire ça, nous peut prendre à chaud, qui m'a l'information, qui nous gagne dans les médias, nous peut prendre en comme, en j'en comptant, nous veut dire livrer ça qui finit en l'air. Donc, veut dire qui nous visait les conséquences de l'action qui nous fait. Aujourd'hui, les mots, il n'est pas pareil que dans le passé. Nous devons être autour de nous. Nous devons reconnaître qui, les musulmans, ce n'est pas faux dans le passé. Alors, les musulmans sont faibles dans l'état de faiblesse. Alors, il y a beaucoup de choses qui viennent prendre en considération. Ça, nous devons là. C'est qu'il y a autour de nous. La cause, les savants se disent que nous croyons lui-même. Parce que nous croyons beaucoup de savants. Mais dès qu'il y a des choses, nous devons dire une fatwa. Nous devons la connaissance des noces. Connaissance de mon texte pour un hadith et deuxième de waqir, c'est-à-dire mon texte, c'est-à-dire l'actualité qui t'est arrivée autour de lui. Ça dit qu'une chose là, un dimon qui donne fatwa, l'ibisa est dans sa connaissance là. Pas capable un dimon lisez ce pour un hadith, après il n'est pas connu ce waqir, sur la réalité de l'eau, il n'est pas connu d'une fatwa. Il donne une fatwa dans l'absolu. Comme ça, comment dire, il reste dans un tower, dans un tour d'Eiffel, dans un tour de d'Ivoire. Il donne une fatwa comme ça dans l'air. Non, puis ça connaît autour de lui qu'il y a une situation avant prononce pour une quitteuse. Donc ça dès qu'il quitteuse a les mots ensemble, puis ça comprend Coran et Hadith et puis ça comprend où est la situation. Donc ça c'est une quitteuse qui est très importante. Par l'esprit, un exemple en tête qui vient concernant comment il est important pour connaître une situation avant de donner une fatwa. Un exemple vivant. Ça va venir en tête si nous gagnons vite. Mais sinon, c'est comme ça qu'il nous vise à connaître. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de savants sur les causes, fait pour l'akaliyat, fait des minorités. Qui fait? Nous disons que les causes concernent un fait ou un musulman qui vit dans un pays qui est non musulman. Il y a une minorité, un musulman peut faire face à une certaine situation. Alors, il y a une fatwa. Un dimon n'est pas une fatwa qui nous donnait dans un pays qui est 100% musulman. Ça avant là, il donne sa fatwa là pour sa contexte là. Il prend ça et il amène ça directement ici. Sans qu'il y prenne en considération qu'il n'est pas dans un pays musulman. Alors ça, cela, nous disons prendre en considération. À cause ça, par exemple, concernant issue, rendre l'élection par rendre l'élection. Ça va envie prononcer là, c'est une cause concernant. La minorité, d'ailleurs, c'est une minorité. Même que le musulman peut bien faire partie politique pour rendre dans la politique. Défendre le droit, alors le savant se prend en considération le fait qu'il y a un pays musulman, que le pays comme haleine. Quand il y a un musulman qui vit en minorité. Alors tout ça là, le savant se fait discuter. Ce n'est pas à nous que de faire trois, le savant est déjà discuté. Troisième petite chose qui est très important et ça, très très important même, peut-être plus important. Un de le savant, il va me charger lui. Moi je dis, il me cause de l'ignorance, ben du monde ignorant. Pour cette ignorance, j'ai adopté une attitude extrême. Imam al-Shatibi, il dit comme ça, al-Sharia arabiya. La Sharia, il descend dans la langue arabe, la loi islamique, Coran et Hadith, dans la langue arabe. Wa idha kanat arabiya, fala yafhamuha haqq al-fahm, illa man fahima al-lughat al-arabiya haqq al-fahm. La Sharia descend de la langue arabe. Si il est dans la langue arabe, personne ne peut comprendre la loi là, excepté celui qui a une vraie connaissance de la langue arabe. Une première condition. Il dit comme ça, فَإِذَا فَرَدْنَا مُبْتَدِيًا فِي فَهْمِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فَهُوَ مُبْتَدِيٌ فِي فَهْمِ الشَّرِيَةِ. Si un démon qui est un débutant dans la langue arabe, comme ça même ce connaissance, il connaît une connaissance de débutant concernant la charia. Et ça, beaucoup de monde, je peux penser, je ne lis l'internet, Coran, Hadith, une tafsir, une traduction en anglais,
explication de ban hadith in traduit en anglais ou bien nakala tikit lang arabe li pa ka vienne de ban livre arabe li me pense sous compréhension li bisa suivre sous compréhension et qui dit si elle du monde li débutant dans la langue arabe li point débutant dans la compréhension de la charia li dit si nous tient du monde il dit si un du monde li mutawassit li intermédiaire dans la langue arabe, veut dire le peine débutant, il avance un petit plus, il a une compréhension de niveau intermédiaire dans la langue arabe, alors comme ça même dans la langue arabe, dans la charia, il a une compréhension intermédiaire de la charia. L'am yablou darajat al-nihaya, il va encore atteindre un degré qu'il a une bonne compréhension de la charia. Et il dit comme ça, il continue à dire comme ça, c'est ban sahaba qui dit comprend pour un pour ma vie. Quand un djimoun il gagne une compréhension de la langue arabe, quand ban sahaba qui comprend la langue arabe, l'éla, ce parole vinen, preuve d'un din à l'islam. Quand un djimoun, ce arabe, il vient presque comme ban sahaba, ce arabe, l'éla, ce verdict qu'il est donné concernant la charia, l'éla, ce parole vinen, une preuve dans la charia. Tu sais qu'il a peint sa bandeira là. Il a mal d'Abiri. Il a mal grand imam, comme ça, mal Boutida Idin, Abu Hanifa, Shafiri, Ahmad ibn Hanbal. Sa bande là, sa bande ulama là, tu n'arrives degré, une compréhension pour imam Shafiri, tu es l'expert de la langue arabe, sa bande sa bande en général. Zut compréhension de la charia, c'est zut qui zut, quand je me dis un affaire, c'est bande là, zut parole qui est une preuve de la charia. Pas n'importe qui ça là. Ça, fallait que je comprenne bien. La cause Allah va dire fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande à ban djimoun qui pas connaît si je te connais, mais tu suis ban sawa. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ban bin iman, obéis à Allah, obéis au rasul et ban qui détenait le commandement. Ban qui détenait le commandement quand on fait ce qu'il dit, et n'a pas de ban gouverneur, et n'a pas de ban ulama ban sawa. Mais il n'y a aucune contradiction. Quand du monde vient de rouler dans l'islam, il y a une compréhension de la charia. Il veut dire, Allah veut dire, obéir à Allah, son Rasoul et ban savant. Quand il veut dire, n'importe qui qui vient un imam, un calife, il veut dire un savant. Un jari, il n'est pas venu un savant. Il n'est pas venu un imam. Il n'est pas venu un chef. Donc, ça montre nous qui, Allah a déjà suivi le Coran et Hadith. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, عليكم بسنتي وبسنه الخلفاء الراشدين prophète qui va dire Coran hadith si vous êtes prophète pas arrête là beaucoup de monde pense à ce slogan là beaucoup mal imbécile je pense à ce slogan là après je demande fatwa Coran hadith non le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'est pas arrêté avec Coran hadith prophète sallallahu alayhi wa sallam dit عليكم بسنتي وبسنه الخلفاء الراشدين suivre ma sunna et sunna de ban calife qui vient guider. On peut arrêter avec ce sunnah, il suffit pour nous. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit suivre sa carte calife qui vient guider.